Bonjour à tous, amis geeks du 21e siècle, vous voici avec moi, James Bond, pour une vidéo sur Killing Floor 2. Sachez qu'il est gratuit encore jusqu'à lundi 10h pour le moment ou demain. Alors je vous conseillerais plutôt de le prendre demain tant qu'il est gratuit. Là je vais faire une partie sur tout seul en solo en ligne là je regarde vite fait mes stats, c'est tout. La vidéo va durer 16 minutes, un peu plus même, parce que je vais mettre y a un trophée juste derrière. Que je l'ai fait en solo et vous allez voir, vous allez comprendre de toute façon pourquoi je fais cette vidéo. Donc tout va bien là, je pense. Voilà, je prends des munitions, shop. Alors j'ai pris la punk, hein, qui est drôle, qui me semble être française, je pense, puisqu'il y a une map en France, une map en France qui parie ensemble, et quand on va dans la neige, elle dit la neige me rappelle mon chalet à Merivel ou un truc du genre. Donc, je pense qu'elle est française. Ou c'est peut-être un petit clin d'œil pour la France, je ne sais pas encore. Alors, pour l'instant j'utilise le pistolet à grenade X, HX25 je crois, ou un peu comme ça. Là, je vais chercher les munitions parce que ça me rapportera encore moins. Il y a des munitions là. De toute façon, je crois que je vais vous montrer la majorité des trophées que j'ai depuis que j'ai téléchargé le jeu. Moment, c'est juste dommage. D'ailleurs, s'il y a une mise à jour à faire sur ce jeu, ça serait de pouvoir voter qu'on soit solo ou avec des copains. Voter quand tout le monde a fini, la fin du chrono. Voilà. L'aide à l'horizon, l'aide à l'horizon. Il faut y retourner, mes amis. Tout simplement, c'est un peu con, c'est juste à dire, voilà. J'ai trouvé une arme. J'arrive niveau 15 et c'est bien, c'est bon. Arrête, nous voilà, donc je m'éloigne, j'attends qu'elle finisse de crier. Alors je pense, je sais pas si c'est normal ou pas, mais on prend, même à longue distance, nous prenons des dégâts d'explosion. Hop, vous voyez, là j'étais quand même assez loin. Et, là, là, je tourne. Ouais, ça me va bien. C'est parti pour des petits morceaux de Z.
Fais-moi sauter tout ça. Oui, encore, allez, venez me voir. Le module est ouvert. Bien joué. Super. Tu m'as manqué, mon petit lance-grenade. Je regarde assez peu d'émissions histoire d'être. Voilà, là je prends pas encore mon roquet, je le prendrai plus tard. Vous êtes enrichi, vous plaisir. Alors, faites-vous là, plaisir. Je me suis cherché. Pas encore, pardon. Venez chercher vos accessoires de combat. Après, faut savoir que pour les joueurs de Call of, je veux dire, les zombieistes de Call of, c'est totalement différent. Voilà. Mais totalement de chez totalement. Voilà. Du coup, la vidéo va durer maintenant plus de 10 minutes, entre 18 et 19 minutes. Là, je sprint pour aller prendre le revolver pour justement le vendre plus tard. Là. Le module est fermé. Je n'ai plus le temps. Allez, voilà. Ça me donnera 100 doches plus tard. En plus. Voilà. En le revendant. Voilà. Vous voyez, hein, je joue avec le démolisseur. Personnage qui ne prend pas d'explosion de dégâts pendant le seul personnage qui ne prend pas de dégâts sans que ça inflige sur la santé, à part quand c'est des sirènes qui chantent, qui crient, hein, c'est le SWAT. Le SWAT, quand on fait le dégât corps à corps, on voit d'abord le bouclier partir. Justement avant que la santé parte. Bien sûr, à part si une sirène est à côté. Que la sirène inflige des dégâts de santé. Ou pas de bouclier. Affichez les commandes d'échange et améliorez votre équipement. L'arme, le revolver. Je prends le RPG et je mets une munition. Les aides arrivent, les aides arrivent. Dépêchez-vous, comme on dit. Et tutti quanti. Voilà. Et j'attends encore. Tranquillement, que 10 secondes. Dépêchez-vous, les aides approchent. Voilà. Allez, on va tout faire, on s'embête vraiment. C'est soir tu pourras prendre des pizzas. C'est terminé. C'est Vipelli ou pas? Quoi? Est-ce que ce soir tu pourras prendre des pizzas, c'est Vipelli? Pourquoi? Parce que j'ai envie de pizza. Voilà où j'en suis. Une pour toi, une pour moi. Allez tuer des aides. Allez tuer des aides pour moi. D'accord. On a des clients.
sauter tout ça. Des 20 ennemis que là je viens d'en buter deux d'un coup. Voilà la sirène, j'appelle Céline Dion. Voilà. Après, chacun l'appelle comme il veut, mais moi c'est Céline Dion. Quand vous aurez terminé, je pourrai rouvrir le module de la vente. Ces invisibles, ils sont très très faibles. Enfin, je veux dire, surtout quand vous jouez en, 6 contre 6, joueur contre joueur, zombie contre humain. Voilà. Entre amis ou pas. Voilà. Ouais, les deux trophées que j'ai eu avec ça, je les fais avec grâce à un ami. Parce qu'il est. Il est doué, on va dire. Ce dingue. Ah, vous lui avez je regardais s'il n'y avait pas une arme qui avait été reprise. Tu veux en marcher là ou pas? Non. Alors. D'accord. Voilà, 40 secondes à attendre. Bah, moi j'ai envie de manger des pâtes fraîches du marché. Et je vous annonce d'avance que je sais que, ça va être le patriarche. Avant-hier. Vous allez voir. Nous n'avons presque plus le temps. Mon ami le patriarche. C'est aléatoire, bien sûr. Alors, démolisseur plus. Plus porte piégée, plus. En plus, vous allez voir, hein, ce con se dirige. L'autre, celle-là, a été grande ouverte. Non, il a fallu qu'il se dirige vers la porte que j'ai piégée. C'est à l'horizon. Il faut y retourner, mes amis. Et voilà, mon ami, mi amigo, El Patriarche. Faites-le vous-même. En plus, je recharge mon RPG. Enfin, vous allez voir. Je ne vois pas le Z. Coucou, je t'attends, amigo El Patriarche. Où es-tu? Ah, te voilà. Pouf. Ah oui, pour les boss, sachez que c'est une barre de santé par joueur. Donc si vous êtes 6... dans une partie, la santé sera l'équivalent de 6 joueurs. Quand vous jouez en solo, c'est l'équivalent de seul joueur. Voilà. Petit patriarche. Et regardez, hop, je recharge. Et là, ce con. Merci. Yes. Merci beaucoup, patriarche. Trophée. Ah, je vous retrouve plus tard pour les trophées. Facile. Voilà. À droite. Sur le bouton de droite, en haut. De quoi tu parles, toi? Chopez-le, chopez-le! Ah,
Alors voilà, un trophée. Gâchette facile, c'est le tuer le patriarche sans qu'il régène sa vie. Ça, c'est tous les symboles sur la map, je sais plus. Là aussi, pas toucher à la marchandise. Là, c'est la fortune du manoir, c'est au manoir Voltaire. Parisien, ça c'est à Paris, en cendres. Relique des enfers, je sais plus. Poupée lugubre, ça c'est à la ferme, là où j'étais. Esprit d'équipe supérieure, ça c'est. Voilà, ça c'est l'avant-poste, les bling-bling. Pognon de catacombe, c'est aux catacombes. Tout suicidaire, ça c'est avoir fait le suicidaire, terminer le suicidaire. Flouze et point, ça je sais plus sur quelle map c'est. David Croquette, atomisé. Alan, il Z. Enfer sur terre, faire l'enfer sur terre, hein. Logique. La classe 15, niveau 15. Biotique, c'est au labo biotique, ça. Prison dangereuse, ça c'est à la prison. Les savons qu'il faut ramasser. Ça déborde, je sais pas. La pépette de la forêt noire, c'est à la map de la forêt noire. Bienfaiteur, donner 100 dash à un même joueur. 1000 dash, pardon. Là c'est la classe 10, quand on monte niveau 10. Même pas mal, je sais pas. Si tu es un boss, un ennemi, ça je le sais. Voltaire mort, ça c'est quand tu Voltaire. Taillé dans le tas. Je sais plus. La silence de la mort, ça c'est les tuer la sirène, hein, c'est une diome. Je te couvre. Ah oui, soigner un collègue avec le pistolet que je tiens. Victoire humaine, ça c'est ce combat en PvP, ça c'est victoire zombie. Voilà. Quand tu joues les zombies. Faire une porte à 100%, hein, tenez la porte, comme vous voyez. Classe 5, niveau 5. Difficile, ça se fait en difficile. Et la dernière est esprit d'équipe, ça c'est aussi pour le joueur. Bon, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé. À bientôt.